Alors Antoine, quel bilan tu tires de ce match? Au final, l'addition est un peu lourde. Ouais, l'addition un peu lourde, un bilan assez mitigé parce que franchement, Julien nous l'a dit à la fin du match, il y a eu des trucs très positifs comme des trucs très négatifs. Au final, on leur donne les points et ils repartent avec le bonus, enfin, donc ils prennent le bonus offensif. C'est dommage parce que honnêtement, on a fait encore des bonnes séquences, on a su jouer au ballon, jouer un peu plus libéré que qu'avant. On s'était dit avant le match, il faut arriver à envoyer du jeu et pas être frustré d'être à l'extérieur et de pouvoir se faire plaisir. Parce que quand vous avez envoyé du jeu, vous avez réussi à les mettre en difficulté par moment. Ouais, on a réussi à les mettre en difficulté. On a deux trois fois, on est prêt à scorer auprès de la ligne, on récupère des points, on récupère 3 points. Mais c'est dommage, il reste encore ce petit truc là où on la passe de plus ou garder le ballon pour faire un temps de plus. Il faut qu'on arrive on va y arriver, j'en suis certain, pour les prochains matchs. Quand ils ont enchaîné les pénalités en début de deuxième mi-temps, là ça commence à être difficile. Et puis en plus on l'a vu, c'est qu'ils sont en première mi-temps, ils allaient chercher les touches pour aller chercher le bonus assez rapidement. Je pense que du coup, c'était pas qu'ils nous prennent au dos, mais ils étaient assez confiants. On a su remettre la main sur le ballon, on a su bien défendre, on a su les faire douter. Du coup, en seconde mi-temps, ils sont allés chercher les points. Le match était un peu plus équilibré. Voilà, et puis petit à petit, en seconde mi-temps, le score était de plus en plus lourd. On prend ce TC à la fin qui nous fait un peu mal. Je pense que ça ne reflète pas totalement le match. C'est quand même positif pour le prochain match. Il y a des enseignements à tirer. Ouais, c'est que le deuxième match à l'extérieur. On a commis une défaite à domicile, mais je pense qu'à l'extérieur c'est vraiment ce qu'on doit c'est là où on doit progresser par rapport à l'année dernière, à arriver à se libérer, à jouer notre jeu comme on sait faire à domicile. Et je suis sûr qu'on va aller chercher des victoires dans le futur avec ce groupe qui est assez homogène par rapport à l'année dernière.